De retour sur le plateau de ETV Service, et oui, l'émission qui vous parle de tout, même de santé. Aujourd'hui, on va parler de notre deuxième cerveau. Oui, le saviez-vous, le côlon est notre deuxième cerveau. Pour mieux en parler, je reçois Aline Lacrosse, qui est spécialiste en irrigation du côlon. Bienvenue, est-ce que ça va? Ça va, très bien, merci. Ah, ça me fait plaisir de vous recevoir parce qu'on va parler de sujet. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Je pense que l'univers du côlon est sous-estimé. Sous-estimé parce qu'on parle très peu d'irrigation du côlon parce que ce n'est pas un sujet qui fait salon. Parce que dès lors qu'on parle de côlon, on va tout de suite au caca. Et le caca, ça dérange. Alors qu'on devait en droit en parler. Ça ne doit pas être tabou. Ça ne doit pas être tabou. Et justement, vu qu'on a mis les mains dedans déjà dans le prout-prout, comme je dirais, justement, hors antenne, on disait déjà... Premier signe, il faut surveiller apparemment la couleur des selles. Est-ce que c'est vrai? La couleur, la forme et l'odeur des selles, ce sont des indices très, très, très importants de santé. Okay. Je vais prendre un exemple, hein, puisque souvent on parle de cancer. Donc, quelqu'un qui regarde ses selles voit subitement, je n'ai rien mangé de rouge, rien mangé de noir. Ouais. Et ça fait 2 jours que mes selles sont carrément noires. Ça, c'est quelque chose où je dois tout de suite voir mon médecin. D'accord. Parce que les selles ne sont pas supposées être noires. Tout rouge, rouge, rouge de sang, il faut aller voir le médecin. Non, mais si on ne regarde pas dans la cuvette, on ne peut pas aller voir son médecin. Oui, parce que moi, je ne regarde pas dans la cuvette. Il faut regarder. Moi, je tue la chasse, les yeux fermés. Il faut. Moi, ça ne me regarde pas. Imaginez-vous qu'il y a déjà... Réflexe. C'est déjà un mauvais réflexe. D'accord. On peut avoir un organe qui saigne à l'intérieur. Okay. On peut être déjà dans une démarche assez lourde. Okay. Donc, les selles noircissent à ce moment-là. Je ne suis pas médecin, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est déjà un indicateur assez, assez important. Des selles noires, vous n'avez rien mangé, rien bu de noir, allez voir votre médecin. C'est important. D'accord. Donc, c'est déjà, important. Première étape, surveillez vos selles. Si c'est noir, ce n'est pas bon. Allez voir le médecin. Direction le médecin. Voilà. Et on n'est pas supposé avoir des selles non plus qui ont une odeur pour que la personne qui arrive après ne peut même pas rentrer après vous. Là, c'est déjà un signe qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon alimentation, dans mon hygiène de vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand l'odeur est trop forte... Ce n'est pas censé. Ah ouais? On n'est pas censé avoir... Mais j'ai beaucoup d'amis. Et les amis, il faut y aller parce que moi, je ne peux pas aller après eux. Non, mais qu'est-ce que la personne mange pendant toute la journée? Là, la personne doit se dire non, mais ce n'est pas possible. Mais est-ce que ça peut être ponctuel? Par exemple, on a mal mangé... Ça peut être ponctuel. Mais tout le temps, personne ne peut rentrer après vous. Non, il y a un problème. Alors, première petite question, comment bien prendre soin de son côlon? Apparemment, on prend énormément de temps aussi à digérer. Oui. Donc, il ne faut pas manger n'importe quoi. Surtout pas. Et éviter tout ce qui est industriel. Donc, comment bien prendre soin de son côlon? Souvent, on parle du bien-être et on met le côlon de côté. Le côlon a sa place dans le bien-être. On ne peut pas faire sans. Parce que quelqu'un qui, après manger, a sommeil ou bien tout le temps des gaz, n'est plus dans le bien-être. Exactement. On ne va pas bien. Donc, je dirais, en tant que thérapeute d'irrigation du côlon, on doit prendre soin de son alimentation, regarder ce qu'on mange. Et surtout, ne me parlez pas de régime, ça ne tient pas la ligne. D'accord. Je ne veux pas entendre parler de régime. Le régime ne tient pas la ligne. Non, pas du tout. D'accord. Parce que justement les régimes agressent le côlon. Ça peut détruire. Par exemple, un régime hyperprotéiné va démolir le côlon, je le dis carrément. D'accord. Parce que ça affaiblit, ça, c'est vraiment pas bon pour le côlon. Donc on doit faire attention à porter suffisamment de fibres, d'accord, par le biais de légumes. Et de fruits, on doit apporter suffisamment de fibres, manger nos racines, manger le plus sainement que possible, d'accord. Éviter tout ce qui est transformé. Je ne dis pas à quelqu'un de ne plus jamais manger certaines choses, mais la personne qui a, je prends un exemple, hein, qui a pris son café, ensuite elle arrive au bureau, se décide, bon, je vais manger un bouquet à 10 heures, à midi je vais manger, une quiche, et le soir je vais manger une pizza, ça c'est quelqu'un qui est en train de s'agresser au niveau du côlon, et là, il ira chercher une pathologie dans quelques années, parce que, où sont les fibres, où sont les nutriments, parce que tout a été cuit à outrance. Manger sainement, des cuissons simples, on peut manger certaines choses de temps en temps, mais de grâce pour le côlon, ayant une cuisson saine. Alors, j'ai reçu un invité, petite question, ça me vient justement à l'esprit, avec toute cette histoire de pizza, de bouquet, qui nous expliquait, en fait, sur le plateau, que manger trop de viande aussi
on n'a pas le côlon adapté pour pouvoir ça. Digérer on justement ça. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Je prends l'exemple des selles qui dérangent tout le monde. C'est quelqu'un qui va manger son sandwich avec une protéine quelconque le matin, à midi sa viande et le soir sa viande encore. D'accord. Donc ça va faire qu'au niveau du côlon, il y aura trop de protéines et surtout celui du soir ne va pas être digéré, ça va pourrir à l'intérieur et donner des gaz pas possibles et aussi des selles qui vont embaumer quoi. D'accord. Donc, nous ne sommes pas nés pour manger autant de viande. Je ne sais pas, à l'époque, c'était le petit pool game là qu'on faisait ou sur le dimanche pour que toute la famille puisse manger. C'était le repas du dimanche, effectivement. Mais là, on se rend compte que depuis le matin jusqu'au soir, on est chargé en viande. Voilà, un petit coucou à mes collègues qui à 10 heures prennent un sandwich au poulet grand comme ça. Oui, et après, mais allez-y, ils vont manger en Colombo. Je suis d'accord, la personne veut manger son sandwich avec son poulet, mais à midi, freinez, le soir, freinez. Stop, pigé, voilà. Il y a aussi, hors antenne, on en parlait, il y a aussi, parce que moi, perso, j'adore les plantes médicinales, le petit thé le soir avant d'aller me coucher, c'est excellent. Et là, vous me disiez aussi qu'il ne faut pas mélanger n'importe quelle plante, ça peut aussi agresser le côlon. Ça irrite le côlon. On peut arriver dans un système où on va irriter le côlon, demander au côlon de travailler de manière anarchique, ou le côlon va tout expulser. Parce qu'il faut savoir que nous avons un microbiote à l'intérieur, un petit jardin qu'on doit entretenir, et lui, il va arriver, il va tout vider d'un seul coup. On ne doit pas tout vider d'un seul coup, mais ça va être dans l'instant, quand vous prenez des trucs comme ça, c'est dans l'instant et ça fatigue. Ok, alors comment bien régler son alimentation, je dirais, pour prendre soin de son côlon? Pour prendre soin de son côlon, en fait, je redis, on va faire un apport de fibres, d'accord? Donc 5 fruits et légumes par jour. Les fruits, mais j'aime pas trop 5 fruits et légumes par jour. Plus, moins, la formule n'est pas bonne? Non, parce que ça bloque. Ça bloque certaines personnes. Ils vont dire, j'ai acheté la petite coupe pelle de fruits là, j'ai mangé 5 fruits et légumes, alors qu'ils sont très loin, ils sont très loin du compte. Okay. Parce que derrière cette petite barquette, j'aurais mangé mon sandwich ou bien mon pain au chocolat, que sais-je, à midi, mon dombré, je ne sais pas trop quoi, et le soir encore quelque chose de costaud, sous couvert de la petite coupelle de fruits que la personne a pris. Ça, je dis souvent, faisons attention. Déjà le matin, je vais dire si, en fonction de chaque personne, ce n'est pas une règle, le matin, essayez d'avoir un jus avec des légumes et des fruits. D'accord. Mixer ensemble, d'accord, plus un apport de corps gras. Ça peut être soit des graines de lin, des graines de chia. Il faut que ce jus-là soit un repas, mais bourré de nutriments où le corps ne sera pas en conflit, en combat pour récupérer ces nutriments. Okay. Donc, dès lors qu'on a pris ça le matin, on sait qu'on a déjà fait un plein de fibres, de vitamines et de minéraux. À midi, des légumes, du cuit et du cru, racines pays ou céréales importées, peu importe, avec une protéine. Et si on est déjà en faiblesse, on va éviter tout ce qui est friture et tout ce qui est sauce. D'accord. D'accord. Okay. Et après ce repas, on ne doit manger aucun fruit. Tous les fruits qu'on veut, on les prendra en avant. Et après ce repas, les deux fruits que je conseille souvent, soit de l'ananas ou soit de la papaye par rapport à leur constitution qui vont nous permettre de mieux digérer. Et je dirais le soir, des légumes vapeur, pour ceux qui aiment la soupe, on prend de la soupe, mais on ne prend aucune protéine le soir. Aucune, ni les œufs, ni le jambon, ni le fromage, ni sardines, aucune protéine le soir. Laissez le côlon en paix. Il n'en a vraiment pas besoin. Ça va rester là, ça va se transformer en déchets et aussi avoir des problèmes avec le côlon après. Ok, j'espère vraiment que vous prenez des notes parce que là, c'est super instructif. On disait aussi en antenne que souvent, même pour les émotions, la partie du corps qui va réagir en premier. En premier, c'est le côlon. C'est le côlon. Lorsqu'on a peur, lorsqu'on est craintif, lorsque... Même la joie aussi, parce que les neurones qu'on a ici, au niveau du côlon, on les a aussi au niveau du cerveau. Donc, on doit en prendre soin. Et c'est pourquoi je dis, chaque personne a sa vision de sa santé, mais je dis, faisons bien attention à la couleur, à la consistance. Okay. Quelqu'un, vous allez aux toilettes et vous voyez que vos selles restent collées. Vous avez besoin de vraiment frotter pour éliminer, c'est que vous mangez trop de gras. D'accord. D'accord.
c'est intéressant. C'est trop de gras. Vous avez trop de gras dans votre alimentation, donc baissez sur votre consommation de gras. Donc vous voyez que vous faites aussi ce qu'on appelle caca cabrite. Ça veut dire que vous n'avez ni fruits ni légumes dans votre alimentation. Vous n'avez pas de fibres. Donc vous voyez que vous faites des sels qui sortent, mais c'est un peu costaud. Donc il y a un manque de fibres. Ouais. Et celui qui est toujours costaud, mais qui sort quand même, on doit quand même envoyer un petit peu plus d'eau. Et il y a celui qui sort, on sent quand ça sort, quand les sels sont vraiment bien, on sent qu'il y a un petit bout, pas un bouillonnement, on sent le travail du côlon et cette selle-là ne se casse pas. D'accord. Elle sort de toute sa longueur et une bonne selle sur un côlon qui fonctionne bien, la selle a un début et une fin. D'accord. Et cette selle-là, quand on se nourrit bien, on s'essuie, il n'y a plus rien sur le papier et on voit que quand on regarde dans la cuvette, on voit qu'il y a une toute petite pointe. Ok. Et là, on se dit, waouh, j'ai tout vidé. Parce que quand ce n'est pas tout vidé, ça va être des morceaux. Mais la vraie selle où le côlon fonctionne bien, ça sort d'un seul coup. D'un seul coup, c'est long et avec une petite pointe. Avec une petite pointe. Exactement. Alors, on va se dire que là, il n'y a plus. Là, c'est propre. Là, j'ai tout vidé. J'ai tout vidé. Je peux aller me promener tranquillement dans le parc. J'ai tout vidé. Et tout ça, c'est par rapport à mon alimentation. Mais aussi, certaines personnes vont dire, mais je n'ai pas besoin de me nettoyer le côlon, puisque j'y vais tous les jours. On n'en fait qu'une partie. D'accord. Toutes les selles ne sortent pas. Encore une fois, hein, c'est des petites techniques. Vous pouvez être vraiment votre premier médecin. Oui. On vous donne. Ça peut faire souvent rigoler. C'est vrai qu'encore une fois, c'est un petit peu tabou. Ici en Guadeloupe, on n'aime pas forcément parler de ça. On se cache quand on va chez le médecin pour parler de ça. Mais ce sont des choses totalement utiles. Oui, mais c'est utile, même si on peut être mêlé comme on veut, mais on se dit, waouh, mais attends, mais peut-être que j'ai mangé trop de gras. Ouais. Ça va nous éviter de prendre des médicaments. On voit la texture des selles là. Ouais, mais waouh, cette semaine, j'étais tellement bousculée, j'ai pas bu suffisamment. Ouais. On recommence à boire. Ouais, mais je commence à lésiner sur mes fruits et légumes, même si j'étais mêlé, mais je peux quand même trouver quelques petites choses pour réapproprier le fonctionnement de mon côlon. Alors, on a vu votre affiche tout à l'heure, parce que oui, elle a, vous pourrez la contacter, on va vous donner vraiment toutes les adresses sur les réseaux sociaux tout à l'heure, mais vous avez donc votre cabinet, votre espace où vous prenez soin justement d'un petit peu tout le monde. Et il y a marqué, là aussi, massage plantaire. Est-ce que là aussi, ça a un impact sur notre côlon? Vous savez, souvent, quand je fais l'irrigation du côlon, mes clientes sont souvent... Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je travaille aussi au niveau du pied. Okay. Parce qu'il y a le côlon, au niveau du pied, la partie réflexe du côlon, on peut travailler. C'est aussi au milieu du pied, c'est en haut, au milieu, on peut travailler. Comme ça, on peut stimuler le côlon pour qu'il y ait une plus grande sortie de toxines. D'accord. Mais avant de faire l'irrigation du côlon, qui est une technique indigène pour se nettoyer le côlon en profondeur et en douceur, je reçois souvent une première fois pour parler de couleur, de sel, comment vous mangez, les heures que vous mangez, prendre des informations et surtout aussi pour voir s'il n'y a pas de contre-indications. D'accord. Parce que l'irrigation, ce n'est pas pour tout le monde. Il peut y avoir des contre-indications qui vont me permettre. La personne me dit, oui, mais moi, je suis anorexique. Je ne toucherai pas une anorexique parce que je serai sa porte, en fait. Elle viendra parce qu'elle est en conflit avec l'alimentation, conflit avec elle-même. Ouais. Donc, ça va être une porte de sortie. Voilà. Exact. Donc, je ne vais pas aider quelqu'un qui est anorexique en lui faisant une irrigation du côlon. Okay. Je vais la détruire. D'accord. Quelqu'un qui a une insuffisance rénale, je ne peux pas lui faire d'irrigation. Quelqu'un qui a un cancer du côlon, je ne peux pas. Ou quelqu'un qui a fait sa coloscopie pendant le mois qui vient me voir, je ne toucherai pas à la personne parce que le corps quand même a été fragilisé par cet acte-là. Donc, je dois d'abord recevoir, écouter comment la personne mange, est-ce qu'il y a une activité physique et tout, remettre la personne, en fait, dans le cadre du bien-être. Parce que, comme je dis souvent, l'irrigation, ce n'est pas une question de caca, ne vous bloquez pas, ce n'est pas que ça, ce n'est que la finalité. D'accord. Donc, on doit prendre le bien-être dans sa globalité, parce que si quelqu'un va bien, ça veut dire qu'au niveau du côlon aussi, ça va. D'autres personnes vont me dire, ah oui, mais si vous faites ça avec de l'eau et tout ça, on va perdre la flore. Non, c'est quelque chose qui se renouvelle tous les 24-48 heures. Donc, nettoyer le côlon, en fait, c'est libérer le corps
de toxines, mais surtout tous les organismes limitrophes, ils vont mieux fonctionner. Si on a le côlon transverse qui est bien chargé, bien rempli de sel, la moindre petite chose que vous allez manger, vous aurez des reflux, vous serez fatigué, vous serez embarrassé. J'ai même pas mangé beaucoup, mais j'ai mon ventre. Non, parce que le transverse, il est trop rempli. Donc, à partir de l'irrigation, on pourra nettoyer, parce que l'irrigation se fait à l'aide d'une machine. D'accord. Je travaille avec des canules à usage unique. La machine d'irrigation me permet de faire arriver l'eau au niveau du côlon, mais en douceur, à faible débit. Et je masse aussi le ventre pour que l'eau puisse avancer. D'accord. Et sur ma machine, je vois, par exemple, quand je commence à faire avancer l'eau, s'il y a beaucoup de gaz, ça va me faire monter la pression. Donc, je peux arrêter mon arrivée d'eau, continuer à masser. Je regarde toujours mon appareil et là, la pression baisse, je refais repartir ma machine, je continue à masser, au bout de 10-15 minutes, je relâche l'eau, où l'eau va repartir avec les sels. La machine n'aspire absolument rien, c'est l'eau seulement, c'est juste un système de trempage. D'accord. Et aussi, on va veiller à la température de l'eau, parce que chaque personne, c'est un système nerveux différent. Je prendrai, je dis, vous allez à la selle combien de fois? Deux fois, je sais que je vais travailler avec de l'eau plutôt froide pour stimuler. Donc, quelqu'un qui me dit une fois tous les deux jours, il me faut mettre de l'eau tiède parce que je suis sur quelqu'un qui est stressé, je suis sur quelqu'un qui ne relâche pas facilement. Donc, avec l'eau tiède, ça relâche les tensions, ça relâche et je masse le ventre. Et comme j'ai fait de la microstéothérapie, donc je veux travailler beaucoup au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des lombaires. Et comme ça, ça me permet encore d'avoir plus de résultats. Mais c'est vraiment, c'est de la douceur, beaucoup de massages, une grande prise en main. Donc, par exemple, la personne peut me dire, ah oui, mais j'ai peur, elle s'est déjà déshabillée. Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez repartir, on va revoir. Donc, j'ai des clients qui montent sur la table, qui remontent parce qu'ils ont peur, qui arrivent à la porte. Non, je préfère quand même rester, je prends mon courage. D'où, si on n'aime pas l'humain, si on n'est pas né pour faire ça, on ne peut pas le faire. Il faut avoir beaucoup de patience et puis aimer le corps, en fait. Et le bien-être. Et le bien-être de l'autre. Donc, surtout à la première prise de contact, c'est là que la personne se dit « Oui, je veux le faire vraiment. » Elle arrive avec beaucoup d'appréhension, mais après, finalement, je dis « Waouh, mais je me sens tellement bien. » Parce que c'est tout de suite, l'irrigation, les bienfaits sont là tout de suite parce qu'on a désencombré, on a vidé. C'est tout de suite après, on se dit « Waouh, je vais bien. » Et là aussi, par rapport au questionnaire que j'ai fait avec la personne, je sais qu'est-ce que je dois lui mettre dans l'eau. Ah, d'accord. Je sais comment accompagner. Je peux être sur une manque de magnésium et tout ça. Donc, il y a des apports qu'on fait par rapport à la personne qu'on doit aider à éliminer les toxines. Il y a plusieurs choses qu'on peut mettre dans l'eau. Ça peut être du magnésium, ça peut être aussi de l'argent colloïdal. Donc, voilà, ou bien de la chlorophylle. On peut aussi faire avec du café vert. Il y a différents apports pour pouvoir aider à nettoyer le côlon. Ok, on peut faire avec du café? Avec du café vert. Oui, parce que ça va stimuler au niveau du foie, en fait, hein, parce qu'il y a une histoire de... Il y a, par rapport à l'organisme, on a cette veine-là, veine porte, qui va pouvoir récupérer les produits et les faire passer au niveau du foie. Ok, et c'est donc, tellement bien expliqué. J'allais lui poser 4 questions, elle a répondu à mes 4 questions sans que je la pose. Franchement, c'est super bien expliqué. En plus, vous mettez en confiance. Franchement, elle est calme, elle est douce. Je ne sais pas, mais moi, elle m'a convaincue. J'aime mon métier. Ah, mais ça se voit, j'aime ça se sent. Et c'est pour ça que j'avais dit, si on s'occupe du côlon, il faut aussi savoir s'occuper de l'alimentation. On ne peut pas faire l'irrigation du côlon à quelqu'un sans lui donner cette béquille qu'on appelle l'alimentation. Donc, étant naturopathe aussi de formation, j'ai tout un panel sur l'alimentation. D'accord. Mais pour moi, ce n'était pas suffisant. Quand j'ai fait aussi ma formation d'irrigation du côlon, là aussi, il y a eu cette partie-là. Mais j'ai dit, il me manque la partie la plus verte, là, il me manque quelque chose. Ouais. Je suis partie à Porto Rico où j'ai fait l'alimentation vivante où ça me permet d'aider, en fait, pour certaines pathologies, de dire, voilà, on laisse tout de côté, mais on va rentrer dans cette alimentation-là pour aller mieux.
Okay, tout ce qui est vert et comment l'utiliser pour que je ne vois pas seulement une grosse assiette de salade, que des légumes. Il y a différentes façons de présenter ça, différentes façons de l'agencer pour que la personne ne se sente pas vraiment cassée par rapport à ne manger que ça. Donc, il y a une façon de faire une grosse pathologie, on peut manger d'une autre façon, accompagnée. Ok, d'accord. Encore une fois, vous voyez que c'est une professionnelle, elle s'est formée et elle connaît vraiment son métier sur le bout des doigts. Donc encore une fois, n'hésitez pas à la contacter, L'Âme Naturelle. On va donner les adresses sur les réseaux sociaux tout à l'heure. Mm-hmm. Petite question qu'on posait encore une fois hors antenne. Je vous ai dit, l'émission est mieux hors antenne qu'enregistrée. Est-ce que si on se, je vais dire, si on se masse tout seul, c'est-à-dire la plante des pieds ou même le ventre, est-ce que ça marche ou est-ce qu'il faut absolument que quelqu'un d'autre le fasse? Il y a de l'automassage. Okay. On peut faire un automassage, mais par contre, il faut connaître les points. Ok. Parce que si on veut se faire une réflexo tout seul, on va se baisser là, on ne sera pas détendu. La même chose, moi je dis l'automassage, ça existe. Par contre, il faudra chercher en automassage quel point que je peux toucher pour que ça puisse m'aider au niveau du côlon. Oh. Moi, je dis en automassage, on est sur les toilettes, on va se masser au niveau le bas du dos, le long de la colonne vertébrale des deux côtés. On peut faire des massages en montant et en descendant. Au lieu de rester sous votre portable, massez-vous un petit peu, exactement. Ou bien aussi, on peut faire au niveau du plexus solaire, on peut faire le bas-ventre en bas du nombril, dans le sens de l'aiguille d'une montre. On peut se faire ces petits automassages parce qu'on est assis et surtout, on peut relever les pieds aussi pour mieux évacuer. Excellent. Donc là, maintenant, je pense que vous avez vraiment captivé nos téléspectateurs. C'est l'heure maintenant de donner toutes les adresses sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, numéro de téléphone ou même une adresse mail s'il y a. De toute façon, ça va s'afficher. D'accord. Allez-y, on a hâte. Donc sur Facebook. L'âme naturelle irrigation du côlon. Ok. Et l'adresse mail brumialina@hotmail.com et mon numéro de téléphone 06 90 70 21 98. Voilà, vous avez tout. Si on avait peut-être, je ne sais pas, un tout dernier conseil, on va même monter à 2-3 petits derniers conseils à donner aux téléspectateurs pour qu'ils puissent justement prendre soin de leur côlon. Quels auraient été ces conseils? On va éviter les aliments transformés. Ouais. Moi, je suis encore dans le consommer local. Ça ne peut que nous faire du bien. N'ayez pas peur de changer votre alimentation. Ça ne peut que vous aider. Et le plus gros conseil pour le côlon, arrêtez tout ce qui est protéines animales le soir, hormis si vous êtes de sortie. OK. D'accord. Mais en règle générale, ce sont des choses à ne pas mettre du tout. Et les produits laitiers le soir aussi, non. Ok, d'accord. Pas de produits laitiers le soir, les amis. Non, okay. Non. Alors, lorsqu'on dit, encore une fois, donc c'est peut-être une légende urbaine, lorsqu'on dit on n'a pas sommeil, il faut simplement prendre une tasse de lait chaud pour aller se coucher, ça apparemment, il ne faut pas faire ça. Non, ça c'est une agression pour le côlon. D'accord. Donc, mine de rien, on vit dans un petit paradis ici en Guadeloupe, parce que tout ce qui est, je dirais, bon pour nous, pour notre corps, on l'a, et ça couche sur place. Extraordinaire. Franchement, la Guadeloupe, aimez votre île, les amis. Oui. Il y a certaines personnes qui me disent, ah oui, mais vous me dites de ne pas manger mon pain, vous me donnez un jus, je dis, mais oui, après le jus, partez au travail avec de la patate douce, coupez quelques petits morceaux, il n'y a aucune odeur, ça ne tâche pas. Donc, même si vous êtes au bureau, ça ne va pas tâcher votre ordinateur. Mangez deux petits morceaux de patate douce entre le jus et le repas de midi ou de 13 heures. Ils reviennent après, ils me disent, mais après la patate, je n'ai vraiment pas faim. Au contraire, j'ai la patate. Et j'ai la patate. Donc, il y a trop de choses chez nous. Donc, mangez les patates. Pour qu'on puisse aborder ce tournant. Parce que je trouve que chez nous, cette information, manger 5 fruits et légumes par jour, les gens sont restés branchés dessus, la petite coupelle, et après, on ne fait plus rien. Exact. Mettez les légumes dans l'assiette à midi, du cuit et du cru, parce que lorsqu'on va mettre le cuit et le cru, en fait, le cuit va enrober le cru et permettre une meilleure assimilation. Okay. Vous allez digérer nettement mieux. D'accord. Donc, et le soir, légumes vapeur, soupe, tout ce que vous voulez, mais restez encore dans vos légumes le soir. Je dis, s'il y a une sortie, une petite virée entre amis, faites ce que vous voulez. Ouais. Mais revenez tout de suite à votre base. Ne restez pas dedans. Okay. Donc, il n'y a pas de régime qui tienne. Je suis anti-régime, je le dis, je le redis. On ne fait pas de régime, mais le matin, pour moi, c'est important. Apportez-vous du vert, oxygénez-vous à partir de légumes. On peut mettre même 3 légumes différents et un fruit. Apportez un corps gras.
D'accord. Et là, vous allez passer une belle matinée parce que l'organisme, en fait, il a besoin de nutriments. Ouais. Et c'est à partir de cette façon-là qu'on va porter les nutriments adéquats pour l'organisme. Vous ne faites pas de sport, vous ne faites rien. Mais portez-vous du verre pour apporter un peu de chlorophylle, un peu d'oxygène à l'intérieur. OK. C'est trois fois rien, ça. En tout cas, c'était de très bons conseils. On va essayer de les suivre. Et au pire des cas, vous allez chez Lab Naturel, vous tapez sur Facebook, vous trouvez l'adresse, vous appelez, vous prenez un petit rendez-vous. Et franchement, ça va vous faire du bien. Et même pour les enfants, on ne peut pas faire d'irrigation aux enfants, mais okay. On peut conseiller aux mamans, qu'est-ce que vous achetez en règle générale, qu'est-ce que vous mettez dans votre caddie pour votre petit. On va donner des recettes. En fait, je donne des recettes. Et surtout, vous invitez le petit dans la cuisine à confectionner ses biscuits, son gâteau, son pain et tout. Et là, il y aura déjà un bel échange. L'enfant sera tout fier d'avoir réussi. Ouais. Et comme ça, on est en train de changer son alimentation, mais en l'impliquant. N'allez pas imposer ça à l'enfant. Invitez-le à faire des choses. Et là, vous verrez, vous aurez une belle transformation. Il ne va pas vous dire non, mais évitez. D'où l'importance pour nous de faire des ateliers avec des mamans qui désirent changer l'alimentation. OK. Changer l'alimentation. On a un gros travail à faire sur l'alimentation, en tout cas. Oui, tout en restant local. Il faut rester local. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. On va vous réinviter parce qu'il y a encore énormément de choses à dire. Et moi, j'aime ça. On va vous mettre dans une situation où votre corps sera tellement épanoui en Guadeloupe, vous allez halluciner. Merci, on rappelle, Lab Naturel. Tapez sur Facebook, prenez rendez-vous et prenez des informations. Ça peut vous faire du bien. Merci encore une fois. Je vous en prie. Ben, merci aussi à vous de m'inviter. Il y a et pas merci de souci aux téléspectateurs. Ah, mais en tout cas, on va vous réinviter. Ça, merci. C'est sûr. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. À tout de suite.